Salutations, c'est MXTrucker. Vous aimez les maps combo? Vous aimez ProMods? Oui, vous aimez ProMods ou pas? Regardez qui vient d'arriver. ProMods 257 est paru hier et ce matin, nous avons ici le Middle East add-on. Mais c'est pas tout. Avec la route connexion. C'est surtout ça qui est important. Alors c'est à peu près le même combo qu'hier, même si l'ordre de chargement est un peu différent. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et puis parmi les nouveautés, nous avons également ici, là, elle est là. Regardez, la toute nouvelle carte de Finnmark qui est dans cet univers-là. Voilà, Finnmark qui est un add-on de ProMods. Et puis bah, toutes les autres cartes, comme hier, hein, ça va de Rusmap avec SZM, ici nous avons Kirov, Volga, nous avons Sibir, The Great Steppe, Road to Aral, ici Road to Asia, nous avons le Social Region, nous avons Road Extended, la partie Roumanie et la partie Turque, nous avons les Balkans, évidemment toutes les routes de connexion entre Roex, ProMod, Roex, Rusmap, Rusmap, ProMods, etc. Nous avons Paris Rebuilt, nous avons ici House in Italy, nous avons la carte que j'ai créée ici, Eurafrica Map. Allez, je vous fais pas plus languir, je vous montre tout de suite l'ordre de chargement. Pour cette mise à jour du combo paru hier avec ProMods en version 2.57 pour OTS 2 1.42, nous retrouvons ici les fichiers de Javaro, JRR, A7 c'est modèle 2, A7 c'est modèle 1 et le DefMap. Le fichier DefMap, donc c'est la version 0.3 de Javaroad 1.42, Canada Map également 1.42 avec le fichier 0.2.5 Map et le fichier Def de Great Steppe en version 2.0 pour OTS de 1.40, mais qui fonctionne toujours, modèle Map, Def et le English City Name V2. Road to Asia 1.42, la version de ces fichiers est 1.1.2, le fichier Assets, modèle et le DefMap. Road to Aral également pour OTS 1.40, la version 2.0 Reborn, le fichier Road to Aral et le fichier CapFix pour avoir les noms en anglais. Sibir Map qui a été mise à jour 1.42, le fichier modèle, le fichier Map et Def et le fichier CapFix V2 pour la traduction des noms en anglais. Il s'agit ici de la version 2.1.2.b. Social Region qui a été créé sous ETS de 1.41, le fichier modèle 2, le fichier modèle 1, le DefMap et le English City Name pour traduire les noms. Volga Map qui est la version 1.2 ETS de 1.40 ou 1.41 d'ailleurs, je crois. Oui, 1.41. Donc le fichier modèle, le fichier map et le fichier def, ensuite le fichier local pour la traduction des noms en anglais, Rusmap qui est toujours OTS de 1.41 en version 2.4.2, les autres fichiers Rusmap vont au-dessus, ProMods, donc la toute nouvelle carte en 2.57, le fichier Assets, Package 3, Package 2, Package 1, Media Package, Map Package, Definition Package. Nous allons retrouver ici ProMods Middle East Add-on, le Assets Package, donc le tout nouveau fichier, et le ProMods Middle East Add-on Def et Map Package. Nous avons juste au-dessus le Project Balkan Assets, qui lui date de 1.41. Le Project Balkan Map Package, le Project Balkan Def Package, et la traduction, non, le fixe pour le Map Combo de Project Balkan. Nous avons ici la toute nouvelle carte de Finnmark qui s'appelle Troms. Voilà, qui est sortie ce matin, version 1, 6, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 7, 2. Plus simple, ça aurait été bien, mais bon. Les autres fichiers Rusmap, modèle 2, modèle map et l'addon de SZM en 2.4.2. Le Baltic Advertisement Improvement qui permet d'avoir des publicités russes. Dans les rues, notamment de SZM, entre autres. Si vous rencontrez quelques soucis de texture dans ces environs-là, il est possible que ce fichier, donc qui a été créé sous 1.41, puisse avoir quelques répercussions avec le tout nouveau ProMods. Donc, au cas où, si vous avez des problèmes de texture, enlevez-le.
Kirov, la carte 1.0 sous ETS de 1.41, fichier modèle, fichier map et le caps fixe. Nous retrouvons ici le Kirov Cyber Map fixe, juste au-dessus Raw Extended en version payante, mais vous pouvez utiliser la version gratuite, l'ordre de chargement est le même. Fichier numéro 5 assets, numéro 4 modèle 2, numéro 3 modèle 1, numéro 2 préfab, numéro 1 le def et map. Nous retrouvons juste au-dessus, uniquement pour la version payante, la route connexion entre Social Region et Raw Extended, que ce soit la version 3.1 ou 3.2, hein, ça fonctionne de la même manière. Nous avons ici le RawX All ProMods 256 RC qui fonctionne avec ProMods 257. Juste au-dessus, le RawX All, c'est-à-dire, alors comme celui-ci, hein, ça marche avec la version gratuite ou la version payante, le Middle East 256 RC. Encore au-dessus, le RawX All RusMap 242 RC, puis le RawExtended Global City Name. Alors, il y a un autre fichier que l'on a parfois dans le pack, je ne sais plus comment il s'appelle, il faudrait que je le retrouve. Voilà, c'est le fichier qui est là. Alors, vous pouvez avoir cette image-là au lieu de celle-ci, je ne sais plus laquelle est dans le pack de RawX, mais l'un comme l'autre fonctionne. AZGE, donc Azerbaïdjan, Georgia, Add-on 1.41. Ici, nous avons la route connexion avec le Social Region. Ici, nous avons la route connexion, enfin le fixe, pardon, décidément, avec le ProMods Middle East. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les noms, notamment du Middle East, sur la carte. Nous avons ici le AZGE Global City Name pour la traduction des noms en anglais. Caucasus en version 1.A. qui date de 1.39, et le caps fixe. Concernant Eurafrica, donc la carte que je vous propose, qui est en alpha 3 pour ETS de 1.42, je l'ai mise à jour. Vous avez deux possibilités pour avoir cette carte, soit en cliquant sur le bouton joindre sur ma chaîne, juste à côté du bouton abonner ou s'abonner. Vous avez la possibilité de choisir un abonnement mensuel à 2,99€, je précise bien, 99€, qui vous donnera accès à toutes les mises à jour de la carte. Et pour ceux qui ne veulent pas d'abonnement mensuel, vous pouvez payer en une fois un paiement one shot au même prix, 2,99€, en cliquant sur l'icône PayPal qui se trouve en haut à droite de ma fenêtre principale de YouTube. Par contre, vous n'aurez pas les mises à jour de la carte, mises à jour qui paraissent toutes les 2-3 semaines. Juste au-dessus, nous avons Eurafrica No Ferry. Alors, c'est un mode optionnel, mais qui enlève le ferry entre Alger et Marseille. Donc, ça vous fait utiliser la route plutôt que le ferry. Au-dessus, House in Italy Fix, Paris Rebuilt. Et puis là, nous avons un délicieux camion qui a été trouvé par Sofad et testé par Fredo. C'est le Lancia Esagama E. Il est absolument fantastique avec sa remorque qui est juste au-dessus. Vous aurez les liens bien évidemment dans mon tableur ou alors retrouvez-moi sur mon Discord. Le lien est dans la vidéo description. Sur mon Discord, eh bien, vous avez les liens des maps, les liens des camions, des remorques, enfin vraiment tout pour ATS et pour ETS2 à partir des versions 1.42. Et puis, si vous recherchez des modes un peu plus anciens, allez faire un tour sur mon tableur. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur la vidéo description ou en venant également sur mon Discord. ETS2, Lampsat, donc ça c'est le fond d'écran pour voir les cartes. Je vous conseille celui-ci qui est spécifique à ProMods. Il est plus petit par exemple que celui-ci qui est en noir et blanc ou celui-ci qui est en couleur. Mais par contre, les pays sont mieux localisés, notamment Iceland, qui évite de se retrouver dans la mer, enfin dans l'océan plutôt. Le crash fix pour Huge Map Combo qui est utile de manière à ne pas crasher lorsque vous allez zoomer sur la carte. Et puis le full screen warm map pour avoir votre carte en plein écran. Voilà pour cette mise à jour rapide aujourd'hui avec les nouveautés. Donc Finnmark, les routes connexion qui vont également vers le nouveau Middle East add-on. Voilà qui est ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'accorder des likes, des pouces positifs. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur Discord, vous trouvez le lien dans la vidéo description. Vous pouvez rejoindre, vous verrez, on a une petite équipe sympa. La bonne humeur est requise, hein, je le précise, la bonne humeur est requise. À très bientôt, ciao.
Do you like promos? Do you really enjoy promos? But will you enjoy also a map combo with the new Middle East add-on that came this morning, and here it is. But it's not only the Middle East, it's also the road connection that is working with. And there is also another map, another new promos add-on that came. That is there. Here we have the new Finnmark. This is Finnmark, the new one, the new version, 142, of course. And if you followed the video from yesterday with Promods, you have seen already all the maps that are inside. I mean, Rus map, here is Kirov, Szidem, Volga map, Siber map, the Great Steppe, here is Road to Aral. We have Southern region, we have Romania Extended, and the Turkish part. Here we have Balkan, we have Paris Rebuilt, we have House in Italy. Of course, there is Eurafrica map, my map that I propose to you. And okay, I know. Let's go now directly to the load order. Here we still have Jevrold Revolution GRR Assets and Model 2, version is 0.3. Assets and Model 1, DefaMap file. This is map for Canada 142, also version 0.2.5 by Ivan Mikita, map file and def file. This is the Great Steppe model, map, def, and the English city name. Version of the game here is 2.0, done for ETS to 140. Here we get a release of Road to Asia version 1.1.2 for ETS to 142, assets, model, and defm map file. Here we get Road to Aral 2.0 reborn, that was born for ETS to 140, Road to Aral and Road to Aral caps fix. Here we get Siber map that has been released, version is 2.1.2 letter B. This is the model file, the map and the file, and this is the CyberCap fix. On top of that, we get Southern region done for 141, model 2, model 1, def map, and this is the English city name. Here we got Volga map, model. Volga map has been done with 141, this is version 1.2, model file, map, def, and Volga local for translation. This is Rus map def 141, still working with 142 version 2.4.2 that we have to place just below promods. This is the new promods 257, promods assets package, package 3, 2, 1, media package, map package, and definition package. And on top of that, we get the new promods Middle East add-on assets package, def and map package. Here is Project Balkan done for Promods 255, but it's still working with 256 and 7. Assets package, map package, def package, and the fix map combo Project Balkan. Here is the new Finnmark mod that is called Troms. Version of this new mod is 16352635.72. Is it enough? Rus map model 2. Here are the three of the files. Then model, then map, and here we get Szidem add-on and Baltic advertisement improvement to get Russian advertising in the streets. This is Kirov, done for ETS 241, still working. Model, map, and the Kirov caps fix v2. Then there is a fix, Kirov Siber fix for deliveries. This is Raw Extended. Here is the paid mod, but you can load also the free mod. It's exactly the same load order. File number 5 assets, number 4 model 2, number 3 model 1, number 2 prefabs, and the number 1 def and map file.
Here is only for the paid version. This is the raw connection between RAW Extended and Southern Region. Do not load it with RAW Extended 2.8. It cannot work and your game would crash. This is road connection between the free and paid mode for RAW Extended to promote the 256 still working, and we have here the road connection between RAW and Middle East 256 working also with the Russian 257. This is RAW Extended whole paid and free version to RAW Map 242. And this is the global city name for RAW Extended map. There is also another file that you have in the package when you download RAW Extended. This is the picture, so you can use any one of them. It's working anyway. Azerbaijan Georgia add-on for RAW Extended that is there. Then we get here the road connection between Azerbaijan, Georgia and Southern Region. And this is the fix for promotes Middle East. Was done for 141 but still working with 142. And we get here the global city name. Project Caucasus version 1.0 letter A. And Project Caucasus caps fix. This is EuroAfrica, the map I've created, and you can get it. The version is 142 alpha 3. You can get it in two ways. Or you click on the join button on my main YouTube page. This is a monthly subscription, €2.99, that will allow you to have all updated version of EuroAfrica, and you can also use PayPal icon. You will have a one-shot payment for the map. The price is exactly the same, €2.99 each, but you won't have any update. Here is EuroAfrica no ferry. This is optional. Feel free to use it or not. It will remove connection between Algiers and Marseille. Feel free to drive or to use ferry. This is House in Italy and House in Italy fix. This is Paris rebuilt, and this is a wonderful truck that my friend Sofad made me discover, and Fred, another friend, tested it abusively. This is a Lancia ESA Gamma E, and it's an absolutely fantastic truck. Just try it, you will see, you will catch your fun if you like all these. And there is his own truck, trailer, working together. You will find the links, of course, in the spreadsheet. Click on video description below my video. This is ETS 2LM satellite background. I'm using the ProMods edition. You have two kinds of the background. This is black and white, and this is colored one. But with this ProMod edition, you will have Iceland and some other countries maybe in a better place than with these backgrounds that are done maybe more for vanilla or MHA Pro map combo. This is crash fix for huge combo map that I use. If you have some crash when you zoom on the maps, it will cure it. And full screen war map to get your map in full size. Thank you for watching this video, and wish that you will enjoy very well in the new Middle East add-on and Finnmark. Thanks to give me thumbs up if you appreciate it, and thanks to subscribe to my channel. I will update this map combo as soon as we will have some major promotes add-on, or even not promotes add-on, other maps available with ETS2 142. See you soon. Ciao.